Mais c'est tout le monde, j'espère que vous partez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 15e épisode de la carrière avec Chelsea. Ça fait énormément d'épisodes, je sais pas trop comment j'ai fait pour sortir tout ça. On se retrouve pour le match face à Watford et ensuite le match face à Crystal Palace. Aujourd'hui, c'est des matchs assez basiques, donc c'est des 3 points faciles. J'espère qu'on va gagner 6 points aujourd'hui. Et donc voilà, on se retrouve pour les meilleures actions face à Watford. C'est parti. Un bon ballon d'attaque. Et le gardien qui va tenter. Allez, Batshuayi. Batshuayi, la lucarne, mais oui. Mais oui, c'est ce qu'il faut. Fais-moi un petit dab. Voilà, 1-0 Chelsea face à Watford. Le petit dab de Batshuayi, la petite lucarne gauche. Il fait plaisir. Ralenti juste pour l'équipe de la petite lucarne. Du pied droit, d'ailleurs. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Oscar. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, faut pas les laisser jouer. Allez Oscar. C'est fait une petite frappe croisée des familles qui aurait peut-être sûrement passé. L'équipe locale qui va devoir faire sans son défenseur central habituel. Pour ce match. Riyad Mahrez. Offensive. Oscar. Oh là là, oh là là, Batshuayi, mais c'est quoi ce monstre? Il se transforme en Lionel Messi en 12 secondes. Mais c'est quoi ce monstre? Wow, comment je vais avoir des problèmes de putain l'année prochaine? Il va peut-être pas s'arrêter là. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Kamil. Oh là, double score. Bon, bah, triplé de Batshuayi, easy. On va pas dire que Costa était pris dans le gardien et tout, mais bon, là, Batshuayi va pas s'oublier parce que Costa est sur lui. Et c'est Boyé. Ouais. C'est Boyé, l'écran shake. Attends, il est en train de. Oh voilà. Oh voilà, la célébration la plus longue que j'ai jamais faite. Et la plus Boyé aussi. Voilà, triplé Batshuayi. 3-0, toujours pas de réaction en face. Un prochain arrêt. Le match doit se terminer là-dessus, c'est mort. Ah oui, bien joué, le gardien. Il n'y a pas de truc de triplé ou de quadruplé là, Batshuayi. Faut que tu apprennes à te calmer aussi. Allez, Ivanovic qui essaie un long shot, vas-y. Oula. Le ballon du bout des doigts au-dessus de sa barre. Attention à ne pas trop se faire chahuter dans la surface. Allez, Van Ginkel, long shit. Oh là là, au-dessus, mais long dommage, shit. Hein, c'était pas loin. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Non, c'est là qu'il y a une action. Bien fait de la part du défenseur. Et en plus, leur action est toute pétée. Bon, victoire 3-0, triplé de Michy Batshuayi. La star de Chelsea. La star qui a fait un début assez dégueulasse en saison. Et qui pourtant fait un départ de feu. C'est n'importe quoi. Liverpool qui a gagné, mais ça s'en bat un peu les couilles. On avance un peu, on est rentré à 60 points. Conférence de presse, je ne souhaite partir, rien à foutre. Conférence de presse, on va affronter Crystal Palace, dont Louis Grimy, qui est en prêt là-bas. Mais c'est pas plus grave que ça. On va sûrement trouver un moyen de le mettre de côté. Et donc on va faire jouer l'équipe 1 face à Crystal Palace. Parce qu'il faut qu'il joue plus. C'est censé être l'équipe 1. Et on a un blessé à l'entraînement. On a un blessé à l'entraînement. Icardi qui s'est blessé. Bon. Icardi, il faut faire attention quand même. Tu vois. Faut pas qu'il commence à se blesser un peu à la. Comment dire. À la. Gourcuff, tu vois. Sinon, ce serait pas mal compliqué. Il dirait pas de le remplacer. Parce que c'est faisable. On a Batshuayi en forme impeccable. C'est une forme. C'est un super saiyan Batshuayi. C'est nimp. Juste regarder, Batshuayi est rendu à combien de buts cette saison. Je crois qu'il est très à 13 points. 13.
10 buts de passe en 23 matchs. Et on en parle. La deuxième équipe joue plus que la première. Draxler, 18 matchs. Attends, je dois aller voir comment il s'appelle. Laisse-moi 30 secondes que j'y pense. Voilà. Mauro Icardi qui a joué 22 matchs. Donc Batshuayi qui a joué un match de plus qu'Icardi, mais au moins une but. Mais quand même, je crois qu'ils ont un but de différence. Et peut-être que ça va changer dans ce match. On se retrouve pour les meilleurs moments. Chelsea, Crystal Palace, c'est parti. Quelle arme. William. Wow. Respecte-moi. Jaune. Comme tes dents. Allez, dégage. Il va falloir faire attention à partir de maintenant. Allez, le mur qui s'envoie un petit peu, comme non, la fraude. Envoie-la, Aurier, direct. Ok, je peux la renvoyer. Attends, si, j'essaie un petit lobe des familles. La petite tête, c'est Serge Aurier qui fait une reprise de merde. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Chelsea qui se rapproche du but. Bien, faut juste m'expliquer un truc. Qu'est-ce que Serge Aurier fait là? Et Batshuayi qui plante, n'importe quoi. Batshuayi, c'est un monstre. C'est n'importe quoi. Allez, fais-moi le dab. Allez, Batshuayi, tu dab. Non mais Batshuayi qui est juste un monstre. C'est n'importe quoi. Un peu plus logique, hein, qui marque ce but. Non mais il est devenu quoi? C'est nip. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Tompkins. Oh putain, t'es sérieux? Mais prends un tir, la note. Tomskin. Oh, en plus, Rémi, maintenant je peux voir Rémi sur l'action quand même. Le but, on va revoir l'action au ralenti. Très belle combinaison sur ce corner avec ce ballon repris par le buteur et conclu d'une très jolie frappe de balle. Michi, c'est un monstre maintenant. Faut que je le calme un peu, genre. Faut qu'il respecte son adversaire un peu. Faut que j'arrête de jouer dessus, sûrement, parce que là. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Il est quasi en train de devenir le buteur numéro 1. Très bon contrôle, il va pouvoir enchaîner. Alors, Kanté qui construit. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, faut pas les laisser jouer. Et le premier sur le ballon, ouais, ce sera Johan Cabaye. Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite. Oh non, là il y a de la vitesse. Allez, dis-moi que tu glisses, tu te pètes la gueule, hein, tu tires comme une merde, c'est pareil. Ouais, tu peux la dégager comme tu le sens. Aspilicueta. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. Dégage, toi. Peut-être une bonne opportunité, attention. Oui, Krim, ça. Ballon récupéré par les Blues. Ils font jouer contre son propre club. C'est quoi ce truc? Ned Golan. Aurier. Allez, Serge. Chigui Aurier qui se tape tout droit. Et là, il met la petite. Ouais, c'est bien taclé. La petite pause parce que Karatou, c'est bon. La possession en chiffres, Pierre. Toi, un peu pas, Serge. Toi, tu prends le ballon. Tu l'envoies à Memphis Depay. La frappe, la lucarne. Mais c'est quoi ce truc de fou? What? Oh, en plus à domicile. Mais c'est quoi ce truc? Mais what? Memphis Depay qui t'envoie une de ses barres, mon pote. Mais c'est n'importe quoi. Wouah. Oh mais non, c'est pas possible. Genre j'étais sûr que j'allais l'envoyer en orbite par-dessus le filet, mais non. Il tape une de ses barres, mais hein. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ouais, l'intention était bonne, mais la frappe.
Là, bon, on se calme. Bien capté. Il juste le pas pour taper le ballon. C'est vrai. C'était pas un cadeau important. Alors qu'un changement allez, Draxler. A été demandé. Draxler aussi peut taper des bords. Prochain arrêt de jeu. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Oui, c'est pas de Ronaldo Shop pour rien de paille. C'est bien ça. Oui. Non, ça ne passe pas. Allez, Julian. 2-1 et plus que quelques minutes à jouer dans cette fin de match. Peut-être le temps d'évoquer rapidement le prochain adversaire de cette équipe, Pierre. Chelsea doit affronter Manchester City pour son prochain match. On va dire que le résultat n'est pas très logique pour cette équipe qui n'a pas montré grand-chose. Allez, tu peux le dépasser. Au niveau normal. Allez, tacle Mandanda, rien à foutre. Vous êtes plus dans la même équipe, c'est bon, tu peux le tacler. Il y a peut-être une situation intéressante là. Choisis la frappe. Ouais, je pensais faire une frappe comme ça. Le nombre de corners. Qu'est-ce que ça donne? Tiens. On va l'envoyer là. Juste là. Même fils de paille. Ça, c'est de la tête. Hein. Avec un tir. David Luiz qui tente de s'y frapper complètement random. Ouais, Benteke. Quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Voilà, ça dégage. Ça dégage un peu, c'est ça. Mais... Pas de soirée. Encore une touche à suivre. Mendolan. Oh, parfait, la passe. Bon, voilà, fin du match. Voilà, victoire, Michael, but de paille, mes chiches. J'ai soit. Victoire 2-1 face à Crystal Palace. Waouh. Comment fêter un 15e épisode? Une frappe sur la barre qui rentre en plus. Mais c'était juste d'une puissance. Et le pire, c'est que je crois qu'on a une petite avance. Ouais, on a une petite avance sur la deuxième place. On est rendu à 63 points, ils sont à 59. Ouh. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, c'est un épisode rempli d'émotions. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Laissez le petit j'aime. Faites-moi péter les likes pour le petit but de Memphis Depay, le but magnifique. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Peace.